Et plop les gens, ici Zikino, et aujourd'hui on se retrouve sur Dawn Duality pour les jeux du cygne. Dawn Duality, qu'est-ce que c'est? C'est un roguelike, roguelite. Je n'ai pas recommencé cette partie, donc je ne suis pas trop sûr. On va dire qu'il se veut un peu stratégique, un peu tactique, mais c'est surtout de la gestion de famille, de mafia, avec des cartes. Donc on a un deck, mais on ne modifie pas le deck, donc passe. Bref, il ne se joue pas à la manette. Il a été traduit, le texte en tout cas, en français. C'est un jeu solo à presque 15€ et vous pourrez retrouver au moins sur Steam et GOG. Voilà pour l'intro rapide, rentrons tout de suite dedans. Alors je pourrais continuer ma partie, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule partie, donc on va en refaire une, on va faire recommencer. Dans les paramètres, il y a pas mal de langues, le jeu vient de sortir et il y a déjà pas mal de langues qui sont traduites. Alors la résolution x1, x2, ça bouge quelques pixels par-ci par-là, mais fondamentalement je vois pas la différence sur un écran 1080p. J'ai cliqué pour rejouer le didacticiel, comme ça on le verra ensemble. Il est un peu long. Il est pas génial, mais voilà. Et il y a des collectibles, d'accord, est-ce que... Ignorer. Et les collectibles, apparemment, c'est des petits... Enfin, c'est ces trucs-là et ces trucs-là, c'est des petites scénettes qui vont arriver de... J'ai l'impression de manière aléatoire pendant la partie. Et je pense que si c'est un roguelite, il y a juste les collectibles qu'on va garder, donc bon. Et ce sera très roguelike dans le sens où on perd toute notre progression. À propos, c'est les crédits et c'est super long, donc on va pas les regarder. Et un truc un peu étrange déjà, on a continué à recommencer une nouvelle partie. Et ici on a carte de la ville, où on peut voir la carte de notre partie en cours. C'est pas un mode de jeu différent, c'est vraiment... on est sur le menu, on n'a pas besoin de rentrer dans notre partie, on peut voir la carte de notre partie en cours. Alors je vais en profiter pour vous montrer... voilà, j'ai fait une partie, j'en suis à là. Vous verrez à la fin de la découverte où est-ce qu'on en sera. Je pense qu'on sera beaucoup moins loin. Mais on voit que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 territoires. Je pense que je suis celui qui en a le plus, de pas beaucoup. Il y a eu quelques guerres, je ne sais pas si on aura le temps d'en voir. Mais on essaiera d'en provoquer. Si on n'a pas le temps sinon. Et de ce que je comprends, le but c'est de conquérir toute la ville, donc de prendre les territoires des autres familles. Hop, c'était juste à côté que je voulais cliquer. Et on voit, il y a les dragons rouges, les buffles roux, les frères de fer, la Dawn Duality, donc ça c'est notre famille. Et on voit qu'on gagne différents sacs d'argent, différentes récompenses en fonction des zones. Et n'oubliez pas, plus les récompenses sont élevées, plus il faudra prendre de risques. Voilà. Donc on va recommencer tout de suite. Réalisera votre progression actuelle, oui. Ah, ça je n'avais pas la première fois. J'ai 0 d'argent. Don fait jouer ses relations pour inviter uniquement les clients les plus riches. D'accord, la partie roguelite, c'est aussi ici. Je suppose que si j'avais fini la partie, j'aurais eu des sous. Et j'aurais pu acheter des cartes pour mettre dans mon deck. J'ai l'impression de mettre 3 cartes de plus dans mon deck. Et j'avais demandé de refaire le tuto. Faut jouer le didacticiel. Bon, ben d'accord. Alors c'est pas grave. En haut, on est un gang de mafia. Attendez, mais il est même passé en anglais le truc. Et il est repassé en anglais. Apparemment, changer en français directement. Ça fonctionne. Ouais, ouais, on va faire ça. La paramètre, je suis bien en français, rejouer le didacticiel, recommencer. Oui. Parti. Bon, bah, c'est pas grave.
Donc on a en haut le restaurant avec un serveur, un cuistot, et en bas toutes les parties mafia avec pour le moment deux gangsters. On a de l'argent propre, de l'argent sale, et est-ce que je peux mettre en pause? Non, je crois même pas. Et ici on peut voir les salaires de tout le monde. J'ai zéro d'argent, donc on va sauter tout ça. On peut faire clic droit pour voilà, ici c'est en pause. On peut faire clic droit pour ignorer les cartes, clic gauche pour activer les cartes. Donc là c'est braquage d'un magasin de muffins, et si je passe ici, quand je clique dessus, j'ai plus les infos, ce que je trouve un peu dommage. On a récompense 200 si on réussit, pénalité moins 200 donc si on échoue, et taux d'échec 10%, et ça dure 15 secondes. On a différents personnages, chacun avec des traits. Ici on a Luciano qui est vénal, donc il rapporte plus d'argent. Et on a Antonio qui est une grosse tête qui a une chance de blanchir l'argent immédiatement pendant la mission. Alors c'est bien de blanchir l'argent, parce qu'on aperçoit ici les salaires. Ça c'est bien parce qu'il n'y avait pas dans la démo. On voit les salaires de chaque personne, on voit que j'ai 3 places pour les serveurs, 3 places pour les chefs, et 5 places pour les gangsters. On voit que Léon comme serveur il me coûte 75 d'argent propre, Luciano 100 d'argent propre, et là Luciano 200 d'argent propre et Antonio 200 d'argent sale. Donc si j'ai pas au moins 200 d'argent sale à la fin de la journée, la journée est déjà passée vite, le temps d'essayer de vous expliquer tout ça. Si j'ai pas au moins 200, si j'ai pas les sous, les gens peuvent se barrer, je sais. J'ai un petit doute s'ils se barrent automatiquement tout de suite ou pas, parce que si jamais on peut pas payer, on a une carte qui va arriver dans le deck et on pourra payer plus tard. Donc aujourd'hui, on a besoin d'argent sale là tout de suite, et on va envoyer surtout Luciano qui est vénal. Ce qui vient de se passer ici, c'est que cette carte a une petite cloche, du coup ça a attaqué, on va dire, elle est allée dans cette carte rouge. Les cartes rouges on peut pas les jouer, on peut pas les vendre, et du coup cette carte avance, et puis quand elle se déclenche toute seule, on doit payer 250 d'or. Donc on va aller ici, pareil, le vénal. On pourrait acheter une table, voler une voiture, avec la grosse tête. Et je sais pas si vous avez vu, mais le personnage est revenu les mains vides en mode j'ai perdu ma mission. Et on a eu une carte rouge, comme quoi il va falloir qu'on paye. Lui, il revient avec de l'argent. Très bien. Là, on voit tous les plats que notre restaurant propose. Par exemple, le café où il y a besoin d'une, par exemple, traduit sa marmite, les donuts, il faut une table à découper, etc. etc. Par exemple, un homard, il faut une marmite, une table à découper, des couteaux de cuisine. Donc on va pouvoir acheter, par exemple ici il y avait une carte acheter des couteaux, si vous voulez revenir en arrière 3 secondes dans la vidéo. Et par exemple acheter des couteaux, ça va nous débloquer ou commencer à nous débloquer certaines recettes. On voit nos revenus du jour, tous les jours à la fin de la journée, on voit un graphique qui compare combien on a d'argent par rapport au jour précédent, combien on a blanchi d'argent. C'est juste l'argent blanchi. Vous voyez, on a beaucoup plus d'argent que ce qui est indiqué là, que ce qui est là. Donc je vois pas trop à quoi sert ce graphique, parce qu'on on a blanchi 3 centimes dans la journée, mais qu'on a réussi à gagner quelques milliers d'euros. Moi ça me va, hein. Donc on voit nos revenus sans distinction de où ils proviennent. Un peu gênant. Donc 400 d'argent sale, 1400 d'argent propre. Il y en a une partie d'argent propre qui vient de ce que les clients ont commandé. Il y a une partie de l'argent sale qui s'est blanchi. Donc la 105 a été blanchie. On voit les dépenses sans salaire. Autre, alors là on n'a pas eu le temps... de voir, je sais pas si c'est juste si c'est quand j'achète des choses, par exemple si je recrute quelqu'un, si je
si, enfin, y a plein de cas, mais c'est pas très détaillé. Et on a une petite astuce du jour, améliorer votre cuisine pour servir des plats excentriques. Jour suivant, j'ai toujours pas cliqué sur la carte. La carte, on voit qu'on a chacun un quartier de base, et bah, par défaut, on vise le quartier à côté. De ce que j'ai compris, parce que le tuto il est passé un peu vite, les dialogues en fait ils s'enchaînaient des fois les deux en même temps, j'ai l'impression que c'est des dialogues sur timing, et du coup la bulle elle est un peu plus longue en français qu'en anglais je suppose, donc le... Et un des persos qui entre encore à la moitié de son texte et l'autre il commence déjà à parler dessus, et du coup ça nous fait monter deux bulles en même temps, donc on voit les deux bulles, mais c'est... faut s'accrocher à des moments, c'est vrai que j'aurais aussi voulu vous montrer le tuto. Donc on a sur tous les quartiers à capturer. Donc par défaut on nous donne celui-ci. J'ai l'impression que ceux qui nous demandent moins d'argent, sont demandent. Enfin, j'ai l'impression que pour remplir la barre, il faut faire des actions de malfrat, de mafia. Et ceux qui donnent moins d'argent, il y a peut-être moins d'actions à faire. On a cette carte qui est très bien, qui elle coûte 5 de pénalité de recherche, qui enlève une carte rouge. On a pas mal d'argent, on peut acheter des couteaux, on n'a pas besoin de... Voilà, donc si je joue cette carte, ça joue celle-là. Sac de frappe, on va pas avoir les sous. Une table, c'est très bien, mais pas tout de suite. Une œuvre d'art. Pas pourquoi on a gagné. Ah si, on gagne 15 d'argent sale à chaque fois qu'on vire une carte. Et donc là, on va sélectionner nos deux personnages et on perd le vol d'une œuvre d'art. Et on va pouvoir voler une voiture, 300$. Hop. Et 10 de pénalité. Alors la pénalité là de... C'est attention à la police, essayez de ne pas attirer les regards sur vous avec vos singeries criminelles. En fait, si on... Du coup, apparemment, si on utilise cette carte, j'avais pas trop fait gaffe. Ou si on échoue, le taux d'échec il est là pour ça. Si on échoue certaines missions, on va potentiellement augmenter la barre de recherche de la police. Donc là, trahison, un dégât de gang. Je ne veux surtout pas ça, donc je vais utiliser celui-ci. Vol de caisse, 250 d'argent propre, ça va mieux. Toi, tu vas y aller. Je veux bien embaucher un serveur, mais j'ai pas vraiment l'intérêt. On va acheter une autre table. Parce qu'on voit que j'ai assez de sous pour le moment. Le braquage, on continue. Pour le moment, on essaie de faire des choses. Et on voit qu'il y a 3 clients qui attendent de rentrer dans le restaurant. Je vais même acheter encore une table. Hop, voiture part. Au début, faut faire tourner nos gars. Placez cette carte lorsque vous avez accumulé assez d'argent. On a payé parce qu'on avait eu une carte qui nous faisait moins 200. Si, parce qu'on n'avait pas réussi une des premières missions qui était à 200, donc voilà. Donc salaire 200, autre 200, ça doit être la dernière carte que j'ai jouée. Voilà, c'est pas forcément très clair, on n'a pas tout le détail, mais c'est pas grave. Plein de petits détails dans le jeu qui sont plutôt bien faits, par exemple quand le serveur amène la note. Ça fait une petite carte blanche ici. Quand un cuisinier s'occupe de la note, elle devient jaune. Quand le cuisinier a fini, ça devient vert. C'est très mignon. C'est très bien. Donc on va braquer des muffins. Et là, on commence à avoir pas mal de tables. Du coup, on va embaucher un serveur. On n'a pas les sous. Venir l'argent d'un mauvais. Pénalité 500, oui. Donc il faut toujours avoir de l'argent sale pour pouvoir payer ceux qui veulent de l'argent sale. L'argent sale, voilà, je crois que c'est ce 60 là, on a gagné 300 d'argent propre. Je sais pas si c'est non ou plus, 60 d'argent sale a été transféré.
On va embaucher quelqu'un. Déjà, on va embaucher un gangster. Alors, les gangsters, on a vu qu'ils peuvent être vénal commun. Ils peuvent être chanceux, chanceux x2, etc. Embaucher les personnes qui vous intéressent le plus. Personnellement, embaucher quelqu'un de commun, ça m'intéresse pas trop. Donc, je vais plutôt embaucher quelqu'un qui a un talent. Et ici, normalement, on peut voir que le serveur, il est commun. Et le chef, il est commun. Donc, on va pouvoir les virer, normalement. Je pense qu'on peut pas, tant qu'on en a qu'un seul. On va pouvoir les virer pour embaucher des gens qui ont un peu plus de personnalité. Voilà. Éviter un événement aléatoire, là c'est moins 500, ça devrait aller. On a capturé concessionnaire, bien regardé, parce qu'on a au moins 50% de la barre. Donc là, de ce que j'ai compris, tous les jours on va gagner entre 200 et 500 de dollars. Alors on va se jeter ici, là, au milieu. Ah non, on peut pas se jeter très loin, d'accord. Donc on peut se jeter que de case en case qu'on possède. Donc on va essayer d'avancer le plus vite possible vers les cases qui apportent beaucoup d'argent, celle-ci. Et après, je pense qu'on écrasera le rouge et on ira sur la gauche plus tard. Mais ça sera pas tout dans la découverte, vu là où j'ai fini ma mission solo. Un deuxième serveur, ça serait bien. Jolis yeux, obtient plus d'argent sur l'échec, c'est pas mal. Rapide court vite, ça c'est très bien. Ça peut me permettre de dire j'ai un rapide et l'autre je le vire. Persuasif peut persuader le client de faire une commande coûteuse. Et bien les trois, je trouve qu'ils sont bien. Ces trois traits qu'on aime bien avoir sur les. Enfin, je pense pas qu'il y ait des mauvais traits sur les persos. Parce qu'au pire, s'ils ont des mauvais traits, ben je fais clic droit sur la carte et le vire. Et j'attends d'avoir la prochaine où je peux embaucher un serveur. Donc on va prendre. Comment gagner plus d'argent ou une commande plus coûteuse. Une commande plus coûteuse, il coûte un peu moins d'argent là, le personnage. Donc ça sera mieux. VIPP. Est-ce qu'on peut le faire, le homard? On peut faire le homard. Donc il va nous demander un homard. Et blanchit plus d'argent, diminue le niveau de danger. Très bien. Et on a un avis. Qui arrive? On peut pas ajouter ça. Ils sont barrés. On va pas réembaucher. Quoique. On va prendre Bob qui est rapide. Et on va en profiter. Pour virer Léon qui est commun. Voilà. Embaucher un cuisinier, peut-être pas. On peut avoir une table de plus, obtenir de l'argent des mauvais payeurs. Oui. Bon, on n'a pas beaucoup d'argent. Mais dans la partie où j'étais, je gagnais vraiment. J'avais 10 000, 100 000, enfin non, ouais, 10, 15 000. Et là, c'était l'argent sale plutôt à 5 000. Parce que voilà. On va pouvoir faire de la publicité, donc dans les journaux, à la télé, à la radio, etc. Ce qui ramène plus de la publicité dans un journal attira plusieurs nouveaux clients pour le restaurant. Donc voilà. Là, il y a deux personnes. On a pendant quelques temps un bonus qui augmente du coup le nombre de gens là-haut. Donc l'argent qu'on va gagner. Braquer un magasin, on va prendre la grosse tête parce que là on a beaucoup d'argent sale. Comment ça va falloir transférer des propres. Les visiteurs viennent principalement pour le café. Ah, une invasion d'informaticiens. Vénal. On va acheter une étagère pour avoir des plats plus onéreux. Voilà. Donc ça nous a débloqué ceux-là. Étagère à épices. Voilà, les faritas par exemple. Je vois même pas. Risotto. Donc évidemment les clients ont de la patience, apparemment deux serveurs ce n'est pas suffisant, ou un cuistot c'est pas suffisant parce que là on voit que les tâches s'accumulent, donc on va embaucher un nouveau cuistot. Chef ninja cuisine plus rapidement, c'est exactement ce qu'on veut. Est-ce qu'on peut en avoir un autre? Chef célèbre, peut attirer des clients VIP.
On peut avoir un ninja et un célèbre. Et du coup, je crois que c'était Luciano. Commun, on a besoin de toi. On va pouvoir voler une voiture. Quelqu'un de vénal, vu que c'est déjà de l'argent propre. Pas besoin d'aller plus loin. Ici, on n'a pas encore conquis le terrain. On va acheter un sac de frappe, j'ai même pas lu. L'entraînement sur un sac de frappe réduit le taux de mortalité des gangsters. C'est bien. Et là, les petites têtes vertes. Ciao, John. Donc le Don, c'est ce personnage. C'est fait. Très bien. Alors, les célébrations sont de mise. Nous nous verrons à l'étage du restaurant. Salut, salut. Qu'est-ce qui se passe? Oh, amène-t-il John? Désolé, petit John ne faisait pas partie du contrat. Ok, ciao Johnny. Et chaque jour, vous avez peut-être remarqué que toute notre main disparaît et on en a une nouvelle. Astuce très importante, débarrassez-vous des corps de vos gangsters pour éviter d'attirer trop l'attention sur le restaurant. Oula. Là, la pénalité, c'est l'alerte qu'on a vue là-haut. Là aussi. Et là, 10% de pénalité de... Le gangster meurt, tout simplement. Donc, s'il meurt, en fait, il va revenir, il va s'allonger ici, et on aura une carte qui est se débarrasser du corps, ou quelque chose comme ça. Donc il faudra s'en occuper. Ah, ils sont là-haut. Vu que je les occupe pas, ils sont allés là-haut pour aller picoler, vu que les tables étaient libres. Ah, si, il revient. J'espère que le deuxième va revenir vite, comme ça je les envoie tous. Il passe par la porte là. Allez, Antonio! Voilà. Et du coup là c'était 200 d'or et sinon on augmente la barre d'attention. Publicité à la télé parce qu'on n'a pas grand monde. On va faire travailler un peu notre business de façade, n'est-ce pas? Non, j'aurais pu prendre dans le journal, c'était moins cher. Il faudrait qu'on embauche un gangster. Voilà, parfait. Alors on a trompe la mort, peut échapper à la mort. Businessman, réduit la durée de la mission, ça aussi c'est pas mal. Et grosse tête x2, alors je suppose qu'il y a deux fois plus de chances de blanchir l'argent pendant les missions. J'hésite un peu entre ces deux là. Mais lui il coûte assez cher, donc pour le moment on va prendre le businessman. Hop là, c'est parti. Je pense qu'on n'a pas besoin de serveur pour le moment. Les serveurs, ils font quand même pas mal d'allers-retours. Hein. Les clients arrivent, ils leur donnent ils prennent la commande, ils l'emmènent ici. Après, ils vont chercher, ils ramènent le plat. Et à la fin, quand le client est fini, ils vont chercher les sous à la table et le client s'en va. Voler une œuvre d'art, je crois que... On va voir là, il nous manque quelqu'un encore. On va pas embaucher de serveur. Et apparemment, on a conquis le complexe. Donc on va... Voilà la caisse suivante pour le moment. Ok, une bijouterie. Non, pas grosse tête parce qu'on ça nous rapporte de l'argent sale et on n'en a pas. Le businessman pour que ce soit plus rapide. Je crois que c'est une carte pas ouf qui nous est arrivée et on va pouvoir acheter un frigo en début de journée, c'est pas mal. On a le gâteau de Noël. Un gâteau de Noël, mais pourquoi pas. Ça, c'est l'argent sale. Il nous manque pour de l'argent sale, donc on va pas emmener les grosses têtes. Pour le vénal, on est plus d'argent. Bah. On en a récupéré 2000, on aurait pu. Note de crédit. Je vois aussi les salaires de votre personnel. Placez cette carte. Vous avez accumulé cet argent.
Du coup, on va pouvoir faire venir un VIP pendant qu'il est très occupé. Le businessman, il va s'occuper d'intimider le flic. Il n'y a pas grand monde en haut, donc on va faire de la publicité dans un journal. Je me souviens pas forcément à chaque fois, je suis obligé de garder la souris une demi-seconde là, parce que sur cet écran, j'aurais bien aimé là-haut. Vous avez sélectionné voler une œuvre d'art, c'est de l'argent sale, c'est machin, c'est bidule. Ah, c'est risqué, du coup, j'en vois plutôt un personnage chanceux, par exemple. Et du coup, on a pas mal d'argent sale et pas bon, propre, donc on va emmener, vous voyez la grosse tête. Ah, il y a un corps. On va déjà embaucher un gangster. Riccardo. Non, Domenico. Hop là, c'est pas ça, c'est cacher le corps que je voulais avec deux personnages en cours. Parce que tant que le corps reste là, je crois que ça augmente, donc c'est pas ouf. Embaucher un cuistot, on va pas le faire. J'ai dit qu'on allait pas le faire. Pas besoin d'un nouveau serveur, pas besoin d'un nouveau serveur. Alors, on va pouvoir demander plus d'argent, apparemment, et essayer de blanchir de l'argent sale d'un coup. On a une petite note. Miaou miaou miaou, nourrissez le chat du Don pour qu'il reste dans les parages. Anniversaire, moins 1000$. Voilà, là c'était une carte aléatoire. Je sais pas trop, bah c'est apparu ici, moins 1000$. C'est pas pratique de savoir. La carte elle apparaît vite, elle monte vite. C'est marqué anniversaire, faut savoir qu'anniversaire c'est 1000$ et puis on l'aperçoit vite fait. Ce genre de détails. Bref. Là on a pas mal d'argent propre et sale, donc c'est plutôt de l'argent sale qu'on veut, puisque le resto va nous donner de l'argent propre qui arrive. Là on voit moins 1000 machin, mais on a 570 d'argent blanchi. Surtout que, à un moment, nos cuistots, on peut prendre les cuistots ninja ou les cuistots qui amènent des clients VIP et tout. Ou... Pareil pour les serveurs, on peut leur faire aller plus vite. Aller plus vite et faire prendre que les clients demandent des trucs plus chers. À un moment, l'argent blanchi, on est capé par le temps de la journée en fait. Parce qu'on a un nombre de tables limité. On a un nombre de personnel limité. Donc l'argent blanchi, s'en fout. C'est l'argent total qui est intéressant ici. Savoir qu'on a augmenté d'argent propre et d'argent sale, ou... ouais, on a plus d'argent propre, moins d'argent sale, ce genre de choses. Ça, c'est intéressant. Mais l'argent blanchi, pas vraiment. Ça, c'est le gros truc, mais pour moi, c'est juste c'est un revenu que tu mets là, en fait. Tu mets une case entre les deux qui fait... t'as passé 570 de là à là. Mais 570, quand on a gagné 4000 et 2000, en fait, on s'en fout un peu. Dans la démo, je me souviens maintenant, il y avait un curseur où on pouvait dire blanchissez plus d'argent, blanchissez moins d'argent. Donc c'était un peu plus intéressant de l'avoir en gros. On fait une petite dernière journée. 1500 balles, bah voilà, une grosse tête, un vénal. Améliorer une table. Maintenant qu'on a toutes les tables, on peut... on peut améliorer une table, j'ai pas l'argent, mais ça fera que les clients, comme on dit, une table améliorée vous permet d'attirer des clients plus fortunés qui payent plus. Oh non, il est monté. On va passer là. Est-ce qu'on peut aller là? On va aller là directement pour s'attaquer au bleu en espérant faire un combat juste pour vous montrer. De là-haut qui fout rien. Hop. Braque une bijouterie là. Allez les gars là-haut.
C'est parti. Et on va améliorer une table et faire de la publicité à la radio. Braquer une mamie. 1500 balles, mais si on échoue, on a une chance sur deux d'échouer. Et si on échoue, on a une chance sur deux d'avoir un mort. Mais on va quand même braquer une mamie. Hein. On est vénal, donc ça se trouve, ça sera plus que 1500 balles. Oh. Ah, braquer une banque. Ah, 500... Là, la pénalité, 500$. Propre. Plus si grave. Voilà. Super supervision. Ah, le 500, moins 500, il est apparu là. Tout à l'heure, il était apparu là. Piège sur autoroute. J'ai pas assez de monde. On peut embaucher un gangster. Un vénal. Moi, je préfère les vénals au gangster. Piège sur autoroute. Il manque quelqu'un. Je vais pas embaucher tout de suite. En haut. Saisie d'appartement. Récompense 2000 d'argent. Pâle. Pénalité 2500 d'argent propre. C'est dangereux. On va partir comme ça. Ah, j'ai pas eu le temps. Puis sur commencer dans le menu. Oh, bah, on va continuer. Voilà, là il y a un combat. On voit que les deux barres sont actives en même temps. Il y a combat. Il se prépare, donc je sais pas à quel moment on... Ah bah voilà, ici juste quand les gars ils sont partis. Super, je suis heureux. Là j'en vois pas mes gars, j'espérais que, enfin, on aurait pu calculer, mais on va sélectionner deux persos en espérant que l'ennemi n'en ait pas trop. Oh, jamais vu ce terrain là. Là ça va être compliqué. Je pense qu'on va avoir deux morts, ou alors il y en a un qui va s'échapper. Non, deux morts. Fiasco. Et voilà, deux morts, donc il va falloir se débarrasser des corps. Et du coup ça leur a donné toute la zone, donc là, je peux rester dessus. Et avec faire redescendre un peu leur barre en montant la mienne, du coup il y aura un moment, un autre combat, ou alors je peux être plus pacifique, prendre les zones faciles pour le moment, tant que toutes les zones ne sont pas prises, je préfère ça. Ouais, on va embaucher un chanceux réduit, le risque de rater une mission. Est-ce que cacher le corps, oui, prostate et vénale. On peut cacher l'autre corps, voilà. Parce que quand cette barre arrive à fond, ça j'aurais pas le temps de vous le montrer du coup dans cette démo, mais quand cette barre arrive à fond, on a un procès. Et après, c'est un peu la roulette, mais on a des chances de gagner le procès, de ne pas se faire juger. De dire, il n'y a pas assez de preuves contre moi, relâchez-moi. Et du coup, ben, pénal, là c'est 10%, là c'est 5%, donc là on va mettre le chanceux. Et là le vénal. L'anniversaire c'est 1000 d'argent sale. Dans un journal. On va avoir un deuxième VIP. Pierrot. Tu peux faire ta tête et puis tu te plies en argent sale, c'est pas possible. Braquer une banque. Les employés divisionnent sous. Non, ça c'est pas ouf. La bijouterie. J'aime bien sinon le curseur qui
Ma, je veux braquer une banque. Si, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand les clients lèvent la main, c'est plus qu'ils lèvent le doigt. Voilà, voilà. Les tables améliorées attirent les invités plus riches, mais ceci s'attend à des plats plus excentriques. Et c'est pour ça qu'on améliore notre cuisine pour avoir de meilleurs plats, etc. Bien. Je pense que ça fait une bonne découverte. Vous avez vu l'essentiel du jeu. Alors, on peut pas quitter depuis ce menu. On est obligé de faire jour suivant. Hop. Revenir au menu. Oui. Et là, on voit les collectibles. Donc, ciao Johnny qui s'est rajouté. Pardon, la carte de la ville, c'est celle que on a joué du coup en cette découverte. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.